Emile Hennemich et Chubik dans celui de la caisse de la sécu. Sociale, précarité économique. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, la réforme de l'assurance chômage fait que pour ces salariés demandeurs d'emploi en contrat court et en contrat précaire, ce sont jusqu'à 30% du montant de leur allocation chômage qui se trouve amputé. Voilà ce qui se passe. Des milliards pour les patrons et pour les salariés et les demandeurs d'emploi, la précarité, la misère sociale et économique. Amputé de 30% le montant des allocations chômage, ce sont des difficultés pour remplir le frigo, pour nourrir sa famille, pour payer son loyer. Et après, on s'étonne de voir que le nombre des expulsions, elles augmentent de manière croissante dans notre département. Rien d'étonnant quand on organise la précarité, quand on organise la misère sociale. Tout ça pour satisfaire le besoin de patrons d'abaisser les coûts de production dans les entreprises. Si les empêchements ne fermer les entreprises, combien de notre département est directement touché? RKS à Valence qui a fermé 141 salariés à la porte à nuit sur le carré. Pigeon qui a remonté le champ de la Seine, le signe de la nature, sur le patron de savoir. Jean-Michel, qui a dit pour le système intérieur, nous le serons très bientôt. Le boutage de certains sont des salariés. Et l'inclusion scolaire forcée qui est intenable. Dans les lycées, la réforme du baccalauréat, du lycée et la mise en place de Parcoursup qui détruisent le baccalauréat comme diplôme national. Les collègues non encore mobilisés. L'exigence des postes et des moyens supplémentaires, le maintien de nos statuts et l'augmentation de nos salaires. Nous soutenons toutes les initiatives qui permettront de construire le rapport de force
afin de faire reculer le ministère et le gouvernement dans leur entreprise de démantèlement du service public. La police, la réforme des retraites est pourrie. On ne veut pas vivre la bouche, on ne veut pas vivre la bouche. Des retraites et des salaires, le prévu ne compensera pas l'augmentation des prix prévus du gaz, 60% en 10 ans, de l'électricité, et puis de tous les produits qui sont hein. Voilà. Oui, voilà. Voilà, c'est vrai que les gens.
Aujourd'hui le 5 octobre, et pourquoi pas si nécessaire, demain le 6, dans les entreprises, dans les établissements, partout, dans les ateliers, dans les écoles, dans les hôpitaux, mobilisés, nous resterons mobilisés derrière les revendications, nous ne lâcherons rien, et nous apprendrons que la problématique sociale et économique va lieu de la scène, M. Macron. L'arrêt de ces contre-réformes, l'abandon de la réforme des retraites et de l'assurance chômage pour exiger des véritables augmentations de salaire, une augmentation générale des salaires, des retraites, des pensions, des minima sociaux, pour pouvoir vivre dignement de son travail ou après avoir une vie de travail, pouvoir vivre de sa pension. Voilà pourquoi nous sommes dans la rue, en grève. Pourquoi nous sommes mobilisés et que nous continuerons à nous mobiliser dès demain dans les entreprises, dans les établissements hospitaliers, dans les établissements scolaires, dans les services de l'État, partout où nous serons
nous les appellerons, les salariés, à se réunir, à élaborer leur cahier de revendication, et nous porterons ces cahiers de revendication. Nous les porterons, nous les défendrons jusqu'à ce que vous obteniez satisfaction et nous arrêterons de vous mobiliser. Pour les conditions de travail humaines, la CGT dans la rue aujourd'hui pour vous et avec vous, pour la retraite à 60 ans. Pour ouvrir les lits dans les hôpitaux, les lits disparus, plusieurs milliers, rien que cette année, même pendant la pandémie. Contre la CGT dans la rue aujourd'hui, pour vous et avec vous, contre la réforme de l'assurance chômage, après l'avoir différée pendant la pandémie, le gouvernement remet en place sa réforme de l'assurance chômage. Au total, ce sont bien près de 1,5 million d'allocataires qui vont perdre totalement ou partiellement des droits, alors que 6 chômeurs sur 10 ne sont déjà pas indemnisés. Rappelons que sur les 6 millions de salariés, en 2019 et 2020, ce sont des milliers de salariés qui se sont mobilisés par la grève et les manifestations contre le système universel de retraite par points, contre le recul de l'âge de la retraite. Et nous avons empêché que cette réforme voie le jour. Nous avons eu raison de nous mobiliser contre ce régime universel de retraite par points. Ce n'est pas notre système de retraite par répartition et les 42 régimes spéciaux fondés sur la répartition et la solidarité entre générations qui créent les inégalités et les difficultés de financement. Ce qui crée les difficultés de financement et les inégalités dans le système de la retraite, ce sont les difficultés à accéder à un véritable emploi pérenne. À temps plein, ce qui crée les inégalités et les difficultés de financement, en faveur de la légitime revendication. Nous revendiquons l'augmentation de nos salaires, la formation et l'embauche massive de professionnels, l'arrêt des restructurations incessantes et délocalisations, suppression des services de l'île, l'amélioration de nos conditions de travail, un départ à la retraite à 60 ans et la reconnaissance de la pénibilité pour un départ anticipé de nos métiers dans les secteurs privés. Vous pouvez dire tout ce
l'éducation nationale, mais aussi pour tous les services publics. Il est urgent de réagir et c'est aussi pour ça que nous sommes là dans la rue aujourd'hui. Merci à vous toutes et tous. Yeah.